L'effet Kate est tout simplement envoûtant et cela s'est fait sentir ce mercredi après-midi ensoleillé du 13 octobre. Les fans de la royauté savent que Kate Middleton est un modèle d'élégance lors de ses apparitions en public. Et elle n'a aucunement manqué à cette réputation quand elle a rejoint son mari, le prince William, au Kew Gardens. En effet, la duchesse de Cambridge s'est présentée avec un magnifique manteau vert signé Erdem. Une pièce qui figure visiblement dans la liste de ses favoris. Après tout, elle l'a déjà portée à plusieurs reprises. La mère de trois enfants était aux côtés de son mari avant la cérémonie d'inauguration de remise de prix Earthshot. Cette dernière aura lieu dimanche prochain. Lors de cet événement, les Cambridge ont rencontré Sadiq Khan, le maire de Londres, Steve Bachchal, naturaliste et présentateur, ainsi que Hélène Glover, l'athlète olympique. Le couple royal a également participé à de nombreuses activités dans le cadre de l'initiative Génération Earthshot avec des élèves de l'école Elan, à Hounslow. Kate Middleton sublime dans son manteau vert et ses accessoires de valeur ce manteau vert à col de chez Erdem et cette célèbre crinière que la duchesse ne se lasse de remettre. Si est-il dans un style lâché et séché au séchoir qu'elle avait décidé de la porter lors de cet événement. Pour accompagner le manteau, Kate a notamment choisi un haut vert assorti. Pour couronner le look, elle a choisi des talons noirs ainsi qu'un pantalon de tailleur. Concernant le maquillage, Kate s'est tournée vers un mélange lumineux et subtil afin de mettre en valeur ses traits. William et Kate seront, bien sûr, présents lors de la cérémonie de remise du prix Earthshot. L'événement se tiendra au Palais d'Alexandra à Londres le 17 octobre 2021. Pour cette occasion, Coldplay, Ed Sheeran, Yemi Alade, KSI et Shawn Mendes se produiront sur scène.